Donc, nous voulons commencer dans la parole de Dieu, dans Galates 5, verset 22, qui c'est verset nous, thème nous pour Anéa, qui c'est le fruit de l'esprit. Encore une fois, nous remarquons que c'est le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Donc, nous prenons lire Galates 5, verset 22, qui dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, pendant toute année, date fait nous comprendre que, fait nous connaître que nous prenons étudier yon fruit chaque mois. Donc, mois dernier, qui ça nous a étudié mois dernier? L'amour. Donc, nous avons étudié l'amour. Donc, mois février, ça. Nous avons étudié la joie. Et nous avons que 9 qui là. Et nous connaissons année à 12 mois. Il y a d'autres versions la biblique qui gagnent 3 l'autre. Jean Dad te montré nous. Donc, jeudi, nous allons focaliser nous sur la joie. Parce que nous, toujours le mois de février, qui c'est thème nous, qui c'est la joie. Donc, la semaine dernière, m'a fait un rappel bref, un résumé bref de ça que Dalte a étudié avec nous la semaine dernière. Donc, bagaille que thème ou bien principe que tu as étudié avec nous, c'est que la joie, ce n'est pas le rire. Donc, il t'a expliqué nous, il t'a entré dans des détails pour le montrer nous, pour qui ça, la joie n'est pas le rire ou capable de rire. Ou capable de faire mon rire, mais en don, pas gain la joie. Parce que en don, il y a pile de bagaille qui besoin changer. En don, pas gain la joie vraiment. Au nom de Jésus, nous connaissons que bon Dieu, la joie que nous gagnons, elle n'est pas sortie dans le rire, mais elle est sortie dans Jésus. Donc, l'autre principe que l'IT parlé avec nous, que l'IT étudié avec nous, l'IT fait nous comprendre que la joie, ce n'est pas le plaisir. Donc, il y a un pile de monde qui pensait que. Depuis où on a plaisir, donc où on a la joie. Donc, ça ne veut pas dire ça, donc où on a le plaisir, mais la joie pas là. Plaisir, là, il est éphémère, ça veut dire qu'il n'est pas là pour longtemps, il est temporaire, mais la joie, il est là pour le temps et l'éternité. Donc, il y a un peu de monde qui pensait que les balles, yo enjoy yo c'est la joie. Il y a des gens qui pensaient que par contre yo gen doit regarder yo movie qui fait yo content, donc yo pensaient que c'est la joie. Donc le plaisir, il y a des gens qui aiment aller en club, il y a des gens qui aiment boire pour yo capable chercher, pour yo penser que c'est la joie, mais c'est pas la joie, c'est pas la joie. La joie, ce n'est pas le plaisir. Enlevez mes noms là, on dit amen. Donc, l'été explique nous tout, qui ça la joyer? Qui ça la joyer en elle-même? Donc, l'été résumé lui vraiment bien. Donc, moi-même, ma PC, Bano, ça te dit, ça que la joyer. C'est un sentiment à l'intérieur que ou gagner le roi marcher avec Jésus. Vraiment simple. Donc, pour gagner la joie que n'a pas l'air pendant tout le mois de février, il faut que son monde qui a marché avec Jésus. Parce que Jésus lui-même, c'est la joie en lui-même. Jésus, lorsqu'il y a Jésus dans la vie, ou il y a la joie, no matter what. N'importe situation, ou toujours il y a la joie, parce que Jésus qui est en dedans, là, il est toujours en joie. Amen. Je dis à nous parler sur trois principes de la joie. Trois principes de la joie. Premièrement, la joie conserve votre santé. La joie, je suis capable de dire, la joie conserve la santé. La joie fait santé, fait en bonne santé. La joie conserve votre santé pour être capable de mettre dans une façon que nous sommes capables plus ou moins comprendre. C'est un coup. Les gens qui sont en Haïti, nous sommes capables de connaître, ou bien les gens qui étaient en Haïti longtemps, jusqu'à présent, nous avons fait ça. Donc, la joie conserve votre santé, c'est comme si y a sel qui a conservé glace. Nous ne pouvons pas en Haïti, nous avons acheté
Tampico, l'a acheté, n'importe boisson, gazeuse ou bien n'importe boisson. Et puis, à reboire, nous, comme si le petit goût salé. Donc, ils mettaient sel dans la glace là pour conserver la glace là pour le parfum. Donc, ils conservaient la glace là pour un bon nombre de temps. Parce que si vous mettez sel ça, qui pour conserver la glace là, ou imaginez que yon moun ka vann, ka fait des heures dans la rue, ka vann, glace sa la vin de l'eau l'amel, la tourne de l'eau. Li pa ka conserver même en solidité glace là pour capable faire boisson yo que la vann nan capable rete toujours frais. Donc la joie conserve la santé, c'est comme si yon sel ka conserver yon glace. Nous avons un livre là. By the way, si vous pouvez gagner un livre de dévotion, ça, qui c'est le fruit de l'esprit que Papa Spirituel nous écrit, donc nous sous premier volume là. Donc, faisons un sacrifice ou bien faisons un effort pour capable gagner, parce que tout ça n'a pas lieu là pour semaine, là, pour année, là, donc nous sortis de. Livre de dévotion ça et tout ça m'a dit nous là tout les sorties de livre de dévotion ça. OK, nous faisons une parenthèse là. Donc nous dit que la joie conserve votre santé. Donc nous dans le livre ça gagner d'elle nous connaît gagner une institution que y aurait les American Psychological Association. Yo fait recherche et yo trouvé que stress chronique, ça veut dire stress non chronique, ça veut dire son stress qui gagne des temps bien spécifiques que, le stress chronique, ça veut dire des stress qui dans des temps bien spécifiques. Lié à des causes principales. Donc ça les ou gagne stress chronique ça yo lié à yon nan bagay ça yo que moi pral énumérer pour vous là. Ou bien c'est maladie cardiaque, ou bien ça aurait les cardiaques, maladie cardiaque, c'est maladie du cœur, ou bien c'est le cancer, ou bien c'est accident, ou bien c'est le suicide. Donc, stress, l'organe stress chronique, lié avec bagaille ça que mes numéros pour vous là. Après des recherches que personnellement que me fait sur sujet ça moi vinn tomber sur deux articles donc m'a ba ou deux exemples rapidement. Je dis en 2010 bon étude qui était faite sur 2000 Canadiens pour être capable expliquer their stress level pour être capable expliquer pour être capable parler de colère yo avec stress sur le travail là. Moun qui t'a observé étude ça yo bay moun sa yo 2000 Canadiens sa yo évalué sur une échelle de 1 à 5. Donc plus positif ou yé, plus ou à 5, c'est plus la joie que ou gagnez. Donc moun yo fait étude là sur 2000 Canadiens sa yo. Et puis, yo jwenn yon résultat. Quelques années après, yo rele même moun sa yo encore pour yo faire examen, pour yo faire étude ça encore. Sa yo remarqué, moun qui gagne plus joie pendant des années sa yo, après dernière fois que yo fait étude là, moun qui gagne plus joie la kayo qui moins stressé. Yo gagné moins problème cardiaque parce que moment lors dans la joie, la vraie joie, gen pile maladie, donc genre nous sont énumérés pour gen pile maladie qui pas entré sous comme ça. Donc yo vinn rendre compte yo que moun qui t'est passé plus qui gagne plus de temps heureux, qui gagne plus de temps dans la joie, yo gagné moins chance pour yo te capable prendre maladie cardiaque.
Une deuxième étude que moi que m'tapli. Yo prend ça c'est lui-même yo prend à peu près 4000 adultes des Anglais de l'Angleterre de 52 à 79 ans. Et puis yo font étude sou yo. Pour yo capable voir their level of happiness. Pour yo capable voir niveau de joie, de contentement. Là, on fait une étude ça, on fait même bagaille premièrement avec la première étude que nous avons partagée avec vous. Yo voit que moun sa yo qui entre 52 à 79 ans, là on fait étude là 5 ans après, yo vient réaliser que moun sa yo de 52 à 79 ans, yo fait moun qui gagne plus contentement, moun qui gagne plus joie, gagne possibilité que yo vive 5 ans plus que moun qui parle dans la joie. Est-ce que n'a suivi moi l'église? Pour qui ça me donne deux exemples ça yo, c'est pour me capable essayer fort comprendre que qui gens que la joie li conserver santé ou la joie li bon li qui en bonne santé. Il y a des maladies si on entre sous stress, sous qui te stress, entre sous qui te stress, bouleversé ou donc la causer ou des maladies. Des maladies et des maladies cardiaques, cancer ou bien suicide. Donc c'est pas pour rien que la Bible dit dans Proverbe 15 verset 30, donc en anglais a dit le mieux. Proverbe 15, verse 30, New Living Translation. Il dit, a cheerful look brings joy to the heart. Good news makes for good health. A cheerful look, l'on toujours content, l'on toujours en joie. It brings joy to the heart. Therefore, bonne nouvelle pour cœur, pour santé. Donc, c'est ça la joie fait, la santé. Amen. Deuxième principe que je vais partager avec nous sur la joie donne la force. On dit force. 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 Amen. Donc, la joie donne la force. Ça veut dire Bode Junior. L'autre nous dit la joie donne la force. C'est un coup yon maman qui parle pousser yon petite. Yon maman qui gontimoun en devant lui. Que l'elle rivait pour le capable accoucher. L'elle rivé l'hôpital là, li passé des heures blan rele le contraction. Pile souffrance, en pile douleur. En pile douleur, en pile des fois que l'on pensait que c'est l'heure pour ti moun nan sorti et puis maman commence à pousser avec en pile douleur et puis ti moun n'a pas sorti. Parce que l'heure a beaucoup arrivé. Il y a des mamans qui comprennent des heures. Ils font toute journée. Et des fois, dans l'autre journée, ils ont une souffrance pour être capable de mettre petit ça dehors. Mais toute souffrance ça que la prend, maman apprend, il y a la joie. C'est la joie qui en donne là. C'est la joie que le gagne in the anticipation of having that baby. Give her the strength. Bal force. La joie que li pral mettre un petit moun nan mode là. Li pousser avec force. La joie qui bali pour pral wè premier petit li. Bal force. Pour capable pousser. Donc nous dit la joie donne la force. C'est ton couillon maman qui a poussé un petit. Amen.
Et Jésus même dit, si nous allons dans Jean 16, verset 21, Jésus dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient pas plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Souffrance, maman, ne vient pas en rien encore. Parce qu'elle a une joie. Elle met ton monde en vie sur la terre. Tout c'est comme ça la joie. Par force, la joie donne la force. Gagner des moments de difficulté, moi-même avec vous. Alors, passons juste son proverbe créole ou bien. Il dit que bon Dieu bail moun ça ou ka supporter. Gen des difficultés que ou a passé dans la vie, gen de tristesse que ou gagné. Seule façon pour combattre tristesse ça, pour combattre difficulté ça, moment difficile ça yo, c'est la joie. Si nous tournons dans le même exemple, maman, hein, qui passait des heures de souffrance pour être capable de bailler Timoun sa la vie. Les Timoun sa vie en vie, après des années, Timoun sa vie en teenager. Et puis pour Timoun sa, fait des amis, des mauvais amis, qui rentrent en prison. Ou imaginez pour maman sa, ouais, Zantraili. Qui est en prison, qui a mal mangé, qui a mal boué, qui a souffrance, qui a en tristesse. Mais il connaît bon Jésus. Il connaît bon Jésus qui a mis les gens dehors. La joie dans Jésus. Il a toujours la joie dans Jésus qui a mis les gens dehors. Ils ont trahi ça dehors. Jésus dit dans Jean 16, 20, verset avant. Je vous le dis en vérité, vous pleurez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Il y a des problèmes là-dedans, il y a des amis qui prennent pause, il y a lamenté avec eux, mais en tant que il y a réjoui parce que vous avez une jalousie déjà. Là où est bagarre arrivé, il y a réjoui. Bon Dieu dit, il y a réjoui, mais parti me pire mère. Tristesse se changera en joie. Nous par contre même gendez nous là, gendez nous là. Les mauvais versets ça c'est pour me taper jumper, c'est pour me taper pomper devant mon Dieu. Parce que gendez nous là, nous pas ta supposé là, nous ta supposé mourir déjà, nous ta supposé aller déjà. Nous t'as supposé dans l'enfer déjà. Mais bon Dieu prend, li retire, li bon la joie, li bon toute tristesse, toute mauvaise situation. Li bon la joie. Et cette tristesse changera en joie. La joie donne la force. La joie donne la force. Imaginez des moments difficiles qu'on a passé. Malgré des moments difficiles, somehow, bon choix comme ça, pas découragé. Ma plave jusqu'à la fin du monde. Ma plave jusqu'à la fin. Pas découragé. Alléluia. Alléluia. La joie donne la force. Nous disons premièrement, la joie donne, conserve votre. Et nous disons deuxièmement que la joie
est un, la joie donne. Dernier principe. Et nous pourrons faire des temps dans la prière. La joie est un signe de gratitude. On nous dit gratitude. 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 La joie est un signe de gratitude. Donc, grand pile dans nous qui connaît que ça veut dire gratitude. Qui sa gratitude y est. Même pour quelques secondes quand même, pour nous capables d'expliquer nous, pour nous capables de lire la définition gratitude. La gratitude, c'est la qualité d'être reconnaissant, disposition à montrer son appréciation envers quelqu'un. M'appelez-le encore. C'est la qualité d'être reconnaissant, disposition à montrer son appréciation envers quelqu'un. Lorsque gratitude, bon point de constat plutôt. En Haïti, y a toujours des moun ou ingrat, ou ingrat. Ça fait que yon moun gen wa tou ingrat, c'est parce que ou pas montrer que ou reconnaissant, ou pas montrer appréciation à sa moun nan fait pour ou. C'est comme si moun nan doué ou ça le fait pour ou. Moun nan dit un tel ingrat. Si les hommes capables rele moi même avec ou, ingrat parce que nous pas apprécier ça nous fait pour lui. Les nous pas apprécier ça l'Éternel des armées fait pour vous. À plus forte raison, ça pense la dit tout. La joie c'est un signe de gratitude. Tout ça bon Dieu fait pour vous, ou remercier même là la tristesse, bon remercier pendant la tristesse là ou qu'à manger ou qu'à boire ou qu'à parler ou qu'à travailler mon la tristesse mon remercier bon Dieu remercier bon Dieu tout petit bagaille bon Dieu prend plaisir dans tout petit bagaille c'est un bagaille moi c'est développer la caille moi and if you do it c'est ce qu'on a fait de continuer à faire. Tout petit bagaille, on dit bon Dieu merci. Des fois, ou même la chair, elle n'a pas songé ça. Et puis dans l'esprit, on sent son bagaille et tout. Remercie bon Dieu. Every little thing. Micro ça, moi-même, je me dis merci bon Dieu. Je ne peux pas trouver micro ça. Je ne peux pas micro ça pour me capable parler. Je remercie. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas côté pour mettre tête. Je remercie. Je ne peux pas chercher Timoun. Je ne peux pas gagner Timoun. Je ne peux pas Timoun. Je remercie. Je ne peux pas Timoun. Ou pas Timoun. Je remercie. Tout bagaille. Remercie bon Dieu. La joie. Jean date dit même les son paix yon cassave avec l'eau avec sirop ou bien avec l'eau sucrée que ou a manger que ou a boire mon remercie bon Dieu parce qu'on gagne la joie. La joie c'est un signe de gratitude. Ou remarquez le matin l'eau fait dévotion ça bon Dieu mande ou pour faire l'eau fait dévotion là tabernacle entrer dans la porte avec des remerciements. Ou entrer avec toute gratitude que ou entrer à toute gratitude que bon Dieu pour bon Dieu. Oh Seigneur, moi remercie pour deux pieds. Oh Seigneur, moi remercie pour deux yeux capable. Oh Seigneur, moi remercie pour côté m'a dormi oh Seigneur. Même les hommes les lions petit coulouk mais pas net, li pas net, li pas net. Je m'endors, je m'encoute, je me couche en paix. En paix. En paix. En paix. La joie. La joie. La joie. La joie. Même les côtés m'y a son petit coulouk.
Mais pam, il est pam. C'est là que dormi. Il y a des gens qui ont l'argent. Ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils ne peuvent pas voler pour se glendo, venir chercher l'argent. Gratitude. Combien de gens qui t'a amené deux pieds, même j'avoue. Combien de gens qui t'a amené deux yeux, même j'avoue. Combien de gens qui t'a amené des oreilles, même j'avoue. Combien de gens qui t'a amené qu'à parler, même j'avoue. La joie est un signe de gratitude. On vire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 et 18. Il dit, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas une demande, c'est une commande. La Bible commande, moi-même avec, soyez toujours heureux. Soyez, no matter what, soyez toujours heureux. Moi commande pour joyeux. Soyez toujours heureux. Next verse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Créons la table d'où? Dis merci pour toute bagaille. La joie est un signe de gratitude. Ha! Tu causes non d'admettre dans le livre ça. La joie. Pile des fois, moi-même avec vous, nous aimons plaigner de ça, nous pas gagner. Nous avons gardé ça, l'autre soeur a gagné. Ça l'autre frère a gagné, n'a plaigné, mais nous pas chambre prend temps pour nous remercier bon Dieu. Salva ou déjà. La joie est un signe de gratitude. Le psaume 116 alors, verset 2, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'évoquerai le nom de l'Éternel. Comment rendrai-je pour ça mon Dieu fait pour moi? Faut me ta ingrat pour me pas ta dire bon Dieu me merci. Déclarer aujourd'hui que tabernacle de gloire a dit bon Dieu merci pour toute bagaille. Il y a une gratitude pour bon Dieu dans toute bagaille. Et me sentir ça vient dans l'esprit qu'on a où connaît tout ça qu'on pas remercier. Bon, bon me dit dans sens d'adil là. Tout ça ou pas apprécier ou repousser le de ou même. Donc tout ça que ou pas apprécier ou repousser le de ou même. Donc, si vous pas apprécié, ça bon Dieu ba ou, donc vous repoussez le de ou même. Des fois, bon Dieu a ba ou yon bagay pour le tester avec yon ti bagay. Mais si vous pas apprécié, ti bagay ça, que le ba ou à mes amis, qui je vais faire bon gros bagay? Ou besoin 1 million de dollars, mais ou entre 10 000 dollars, ou pas vle bay 10 la dol. Lorsque 1 million de dollars, ou après le trop, 100 000 dollars pour mal bay comme 10. Il faut une gratitude. Gratitude. Amen. Shekinah App. Téléchargez-le. Kounia.